aller? Oui. Ta mère va nous laisser prendre des trucs pour qu'on les vende à la brocante de l'école? J'en sais rien. Elle voit une pièce de collection dans chaque objet. Avec nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien de spécial. Vous voulez peut-être rester seul? Va jouer ailleurs, tu veux? Être gaucher a ses avantages. Oh! Tu as vu ce que t'as fait? Max, ça va être ta fête. Waouh! Venez voir ça! Génial! Il n'y a pas de lumière? Si, là-bas. Max, où es-tu? Allez, réponds! Il a disparu. Max, où es-tu? Je suis là. Où ça? Vous êtes à faire ou quoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Attends, t'avais disparu? Bah, dis pas de bêtises, ce flash de lumière a dû vous éblouir, voilà tout. Tu étais invisible. Ouais, c'est vrai. Ce ne sont pas des histoires. Waouh, invisible. C'est sûrement ce miroir. Je comprends que cette pièce ait été condamnée. Écoutez, à partir de maintenant, ici ce sera notre cachette super secrète. On n'en parlera à personne, on le jure? Tu ne peux pas jurer avec la main gauche, si tu veux que ça compte. Ça compte pour moi. Je suis gaucher. Et ça a ses avantages, je sais. Personne ne doit être au courant. C'est clair? C'est très clair. Mm-hmm. Bon. C'est ma mère. Je file. Attendez-moi. Mon poing sur la figure. Je vais crier si tu me tapes. Et si je réveille papa, tu peux dire adieu à la cachette super secrète. C'est un miroir qui doit être magique. Ouais, quelque chose comme ça. Tu y vas ou j'y vais? On va le faire ensemble. Oh, t'es invisible. Toi aussi. Y a forcément une explication. Ouais, peut-être bien. C'est vraiment génial. On pourrait entrer au cinéma sans payer. On pourrait flanquer la trouille à tout le monde. Arrête, Noah. Tu vas réveiller les parents. T'as raison. Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Moi aussi, un peu. Plutôt dingue, non? Carrément dingue!
Je suppose que tu vas vouloir le dire à papa et à maman. Il vaudrait mieux. Et si on attendait? On pourrait s'amuser un peu avant que les parents nous en empêchent. C'est le genre de découverte qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Noah, on va attendre un peu. Mais un de ces quatre, on va tout leur raconter. Ouais! Ton père t'a même pas puni? Il en a rien à faire. Il y a un mois, il avait les cheveux très longs. Ça t'a fait mal? Si tu as envie de faire pareil, il ne faut pas y compter. Bon, je vais partir m'entraîner un peu. Soyez sages et ne faites pas trop les fous. Entendu, maman. Bonjour, Madame Thompson. Bonjour, Erin. Au revoir, Madame Thompson. Au revoir, Erin. Tu lui as déjà montré? Non, il m'a même pas expliqué. Mais quel que soit l'incroyable secret que vous gardez, j'espère qu'il vaut le coup. T'en fais pas. C'est la découverte la plus incroyable de l'univers tout entier. Ouais, bien sûr. C'est la chose la plus incroyable de l'univers tout entier. Là, je comprends pas. Je croyais que ça devait rester un super top secret. Zach a juré d'en parler à personne. C'est incroyable. Max, je me sens un peu bizarre. Moi aussi. Noah, tu peux éteindre? Mais où est-ce qu'ils sont? Ils devaient être invisibles que lorsque la lumière était allumée. Oui, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ça prend quelques secondes. C'est comme l'arme secrète suprême. On pourrait devenir célèbre. On pourrait entrer dans le vestiaire des filles sans être vu. Grandis un peu, Noah. Je sais que c'est chouette et tout, mais il faut avoir une approche scientifique. Ouais. On devrait faire des expériences. Je crois que c'est un peu dangereux. C'est le seul moyen pour comprendre ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression que plus on le fait, plus on tarde à revenir. C'est facile à vérifier. On va chronométrer. Vous croyez qu'on devrait? Je me suis sentie bizarre. J'avais un peu froid. Il faut peut-être s'habituer à cette sensation. Je vais essayer. Tu peux me chronométrer? Pourquoi c'est encore ton tour? Ça n'a rien d'un jouet. Prêt? Attention, vas-y. Max? Max? T'es toujours là? En quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à dire. C'est un peu comme si je dérivais. On dirait qu'il est dans une grotte. C'est étrange. Très étrange. Max, continue de parler. Max, dis quelque chose. Tu es toujours là? Ah, j'aime pas trop ça, moi. Éteins. Va vite éteindre, Noah. Max! 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 Dis quelque chose! Max! Max! Il a disparu. C'est pas vrai. Ça ne vous est jamais arrivé? Non, jamais. La lumière. Je suis trop petite. Je n'y arrive pas. Ça y est. Mais il ne revient pas. On va avoir d'énormes problèmes. Il est là. Max, ça va? T'es complètement gelé. C'était une drôle d'expérience. Mais enfin, t'es allé où? Nulle part. J'étais toujours là, mais sans y être. Quand les méninges gèlent, c'est grave, ça bloque. Non. C'était comme un drôle de rêve. Ça fichait la frousse. Il y avait des couleurs très vives. Tout était un peu flou. On devrait arrêter l'expérience. Ben voyons, tu y es allé deux fois coup sur coup. Et toi au moins, tu y es allé une fois. S'il te plaît, Max, je voudrais essayer. Il faut pas rigoler avec ça. Max a raison. C'est trop risqué. C'est dur à expliquer. Il y a quelque chose qui donne des frissons. Et qui n'est pas net. Promettez-moi que vous l'utiliserez plus. C'est entendu. Pourquoi vous me regardez? Promets-le, Noah. Tu veux que je l'écrive avec mon sang, quoi? Je le promets!
Noah, à table. On va commencer sans toi. Quand vous êtes arrivé dans cette maison, est-ce que vous avez remarqué des choses étranges? Qu'est-ce que tu entends par étrange? Eh bien, elle n'est pas hantée, par exemple. Si? Hantée? Tu as trop d'imagination. Est-ce que tu as parlé à ton père de la boucle de Zack? Mais c'est pas grave, c'est qu'une boucle d'oreille. Et si tu as envie d'en porter une, il ne faut pas y compter. Excusez-moi. Je vais chercher Noah. Il va manger tout froid. C'est hormonal. Oh, mais lâche-moi! Qu'est-ce que t'essaies de faire? On avait un accord. Je croisais les doigts, donc il n'y a pas d'accord. Ta voix a un son différent. Je me sens pas très bien. Suis-moi, je vais te faire revenir. Noah, arrête de faire l'idiot. Noah! Noah! Noah, t'es là? Noah! Parle-moi! Je suis là! Est-ce que ça va? Très bien. Tu paniques un peu trop vite. Laisse ce miroir tranquille, c'est clair? Puisque tu insistes, Max. Tu vas bien, maman? Oh, chérie, tu es là? Je croyais que tu étais là-haut avec les autres. Quels autres? Zack et Erin, je leur ai dit de monter. J'avais oublié le baseball. Salut, Max. Où tu étais? Tu veux t'asseoir? Je croyais qu'on était d'accord pour ne plus le faire. C'est facile pour toi. J'ai même pas eu l'occasion d'essayer. Je suis désolée. J'ai essayé de l'en empêcher. Écoute, Zack, la dernière fois que je l'ai fait, c'était trop bizarre. C'était comme si j'allais quelque part. Ce miroir est beaucoup trop dangereux. Il vaut mieux le briser. Mais t'es dingue, quoi. Il vaut peut-être des millions, ce miroir. Zack, ta voix. Qu'est-ce qu'elle a? Max, il commence à faire froid ici. La fête est finie. Zack, continue de parler. Zack. Oh, te voilà. Tu sais que tu m'as fait peur. Aucun problème, Max. T'as pas envie d'y retourner, là? Je vais casser ce miroir. Surmonte ta peur. Allez, vas-y, une dernière fois. Qu'est-ce qui te prend? T'es malade! Arrête! Hé, ça suffit! Ne t'emmène pas, je te préviens! Non! Qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux ma photo? Non, surtout pas. Je croyais que tu étais son ami. Relax, Max. On dirait que tu n'as jamais vu ton reflet jusqu'à maintenant. Max! Max, réponds-moi! Où est-il? Du calme, il va revenir. Je vais le faire revenir tout de suite. Non, pas encore. Zack, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal! Ta boucle d'oreille. Oui, eh bien. Tu l'avais à l'oreille gauche avant. Maintenant, tu l'as à droite.
Non, tu te trompes, je t'assure. Ça fait longtemps que je t'attends, Max. Depuis que tu as allumé cette lumière. Mais t'attends quoi? Qu'on échange nos places. Rends pas les choses plus difficiles qu'il ne le faut. Non! C'est moi qui vais m'en aller. Ne me crée pas de problème. Ton copain a cédé très facilement. Le monde réel est ici. Abandonne-toi au froid. Tu n'auras plus d'ennuis, plus de soucis. Tu ne sentiras plus rien. Laisse-toi aller, Max. Il n'en est pas question! Zach! Erin! Éteignez la lumière! Ils ne t'entendent pas. Tu ne m'échapperas pas. On va échanger nos places. Un par un, on vous amènera ici. Ici, c'est très bien. Le froid, c'est bon. Non! Brise le miroir, vite! Allez, debout! Zach, s'il te plaît! Brise le miroir, Erin! Dépêche-toi! On va pas avoir de chance pendant 7 ans. Alors, tu vas tout dire à papa et à maman? Oh, ils me croiraient pas. Je vais condamner le mur. Comme ça, on ne pourra plus jamais entrer dans cette pièce. Vous allez mettre le couvert. Je vais prendre ma caméra. Il y a une première fois pour tout. Envoie-moi une tasse, tu veux? Et depuis quand tu lances de la main droite, toi? Non. Thank you.